Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est le riz au lait. Pour 4 personnes, il nous faut 1 litre de lait entier, 100 g de riz rond, 5 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé et un citron. Première étape, on va mettre le lait à bouillir. Mais avant toute chose, je mouille ma casserole. Et oui, ainsi le lait accroche moins au fond. Je verse le lait. J'ajoute le sucre vanillé et le sucre blanc. C'est au tour du citron d'entrer en scène. Alors, on prend un citron bio, c'est important parce qu'on va utiliser le zeste. Je le lave précieusement et ensuite, je vais venir le zester finement. Alors, il est important de ne pas aller trop loin, c'est-à-dire pas vers la partie blanche qui s'appelle le ziste parce qu'elle est très amère. Le lait est à ébullition, on baisse le feu et on va pouvoir ajouter le riz en pluie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à laisser cuire à très faible ébullition jusqu'à ce que le riz ait absorbé presque tout le lait. Le riz est encore très légèrement tiède. Je vais le servir tout de suite, comme ça il finira de refroidir dans les coupes où il se figera légèrement. Pour le service, je vais mettre d'un contenant avec bec verseur. Ça m'évitera d'en mettre partout. Et pour la déco, rien de tel qu'un petit bouquet de menthe et quelques zestes de citron jaune. Ma maman, elle me servait toujours le riz au lait au petit déjeuner avec des pruneaux cuits dans du vin. Est-ce que tu aimerais bien que je te prépare la recette? Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Pour moi, le riz au lait, c'est un dessert ultra réconfortant, comme la mousse au chocolat d'ailleurs, qui est hyper rapide et hyper facile à faire. Qu'est-ce que tu attends? Viens déguster ton riz au lait. Et après, on se retrouvera demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater un riz au lait, abonne-toi à la chaîne Marmiton. On retire du feu. Oh non! Tout à l'heure.